Ils ont décapité l'Irak. Ils ont débité la Tunisie. Ils ont déboussolé l'Égypte. Ils ont dépossédé la Libye. Ils s'en prennent aujourd'hui à la Syrie pour lui ôter à tout jamais tout soupçon de liberté. Les barbares! Les barbares veulent en découdre avec les Arabes. Ils ont commencé avec Al-Qaïda, recommencé avec Daesh, leur destitution de l'autre, leur restitution du même extrémisme des extrêmes. Le terrorisme est la clé. Et non la plaie de cette guerre qui se poursuit avec notre appui pour accabler l'islam et lui faire rendre l'art. La Palestine ne sera plus qu'un champ de ruines qu'Israël se fera un devoir de repeupler en sourdine. L'Occident diabolise et Israël pérennise ses colonies pénitentiaires et ses couronnes leurs tueurs. C'est l'axe judéo-chrétien synonyme de bien qui va nous délivrer du mal arabo-musulman. Cette chronique d'un massacre programmé de longue date est aujourd'hui mise à mal par Poutine, un soi-disant tyran qui va griller la politesse à tous les fauchetons qui font semblant de désarmer les bras qu'ils ont armés. Poutine tire dans le tas. Déposé par les USA pour nous persuader de proche en proche qu'en Orient rien ne va et que tout le mal vient de là. Je ne boirai plus une goutte de whisky que de la vodka, m'a confié récemment un habitant de Raqqa. Ils ont décapité l'Irak. Ils ont débuté la Tunisie. Ils ont déboussolé l'Égypte. Ils ont dépossédé la Libye. Ils s'en prennent aujourd'hui à la Syrie pour lui ôter à tout jamais